thank you. Thank you, Mr. Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renault, Les enquêtes de Sherlock Holmes, réalisée par Abderrisker d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, la mort de Sherlock Holmes. Ici Maurice Renault. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Nous espérons que vous avez tous passé d'agréables vacances et nous sommes heureux de vous retrouver ce soir à l'écoute des exploits de notre héros, l'immortel Sherlock Holmes. Ah, j'ai peut-être tort de l'appeler l'immortel Sherlock Holmes puisque cette nouvelle série commence précisément par une histoire dont le titre n'a sans doute pas été sans vous émouvoir, Mort de Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle va vous emmener cette fois-ci, avec le fidèle Watson, en Suisse. Ce n'est certainement pas par hasard que Conan Doyle a choisi ce pays pour y entraîner son héros. Il avait en effet un faible pour la Confédération helvétique, où il fit, à plusieurs reprises, d'assez longs séjours, en particulier à Davos. La santé délicate de sa première femme l'avait incité à y conduire Madame Conan Doyle. C'est peu de temps avant cet assez long séjour à Davos qu'il se décida à faire mourir Sherlock Holmes. Ayant quitté l'Angleterre, il n'entendit pas le tumulte qui accueillit la mort du célèbre détective. Conan Doyle, qui était essentiellement un homme d'action, ne pouvait rester oisif en Suisse. Il organisa à Davos un jeu de golf, contrarié à son début, a-t-il raconté, par la singulière manie qu'avaient les vaches de brouter les drapeaux. Mais il ne se contenta pas de ce sport. Fait qui est peu connu, Conan Doyle fut en fait l'introducteur du ski en tant que sport en Suisse. Il s'était fait envoyer de Norvège plusieurs paires de skis et des villageois émerveillés et des touristes sur les terrasses des hôtels contemplaient ses culbutes, ses virages, son jeu de jambes sur les pentes. Lui se plaignait de ce que les skis fussent les morceaux de bois les plus traîtres et les plus capricieux de tous les bois de la terre. Et il ajoutait, pour tout homme affligé d'un excès de dignité, une course en ski serait une cure morale efficace. Deux villageois sportifs, les frères Branger, qui étaient les seuls Suisses des Grisons à avoir pratiqué le ski à l'époque, le conseillaient et l'applaudissaient. Parlant de ce sport aux clients de l'hôtel qui l'écoutaient avec un sourire poli mais sceptique, il leur disait « Vous ne l'appréciez pas encore. Il viendra toutefois un temps où des centaines d'Anglais se rendront en Suisse pour faire une saison de ski. » Si l'on songe que ceci se passait en 1895, il faut convenir que Conan Doyle en cette matière, comme en plusieurs autres d'ailleurs, ne se montrait pas mauvais prophète. Mais je ne veux pas retarder davantage votre plaisir de reprendre contact avec Sherlock Holmes et je passe tout de suite la parole à votre ami, le docteur Watson. Bonsoir, mes chers amis. C'est le docteur Watson qui vous parle. Je le ferai bien tristement, hélas, car je vais évoquer mon ami Sherlock Holmes, disparu après cette aventure. À la suite de mon mariage, j'avais dû abandonner le vieil appartement de Baker Street que je partageais avec lui, et je ne le voyais plus que de loin en loin. Quand le soir du 24 avril 1890, il fit irruption dans mon cabinet de consultation. Sous la lampe, il me sembla encore plus pâle que d'habitude. Ne faites pas cette tête-là, Watson, je ne suis pas mourant. J'ai eu beaucoup à faire cet an dernier, je suis un peu fatigué, voilà tout. Ça ne vous ennuierait pas de fermer les volets? Non. Pourquoi? Fermez-les, je vous le dirai après. Merci. Auriez-vous peur de quelque chose? Oui. Ah! De quoi donc? Vous me connaissez, Watson. Je ne suis pas d'une nature particulièrement impressionnable. Mais je ne crois pas non plus que ce soit une forme de courage que de nier le danger quand il est tout près de soi. Vous êtes en danger? Vous permettez que j'allume une pipe? Bien sûr. Merci. Watson, je suis navré de vous déranger si tard. Et tout à l'heure, je vous demanderai la permission de quitter cette maison en sautant le mur du jardin. Ah ça, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous vous êtes fait à la main? Vous saignez? Madame Watson est-elle là? Non, elle est en Écosse pour 15 jours. Elle soigne une vieille amie. Vous m'envoyez enchanté. Pourquoi? Parce que je me trouve tout à fait à l'aise pour vous demander de venir passer avec moi une semaine sur le continent. Où ça? Où vous voudrez. Auriez-vous décidé de prendre enfin des vacances? Ce serait une bonne idée, car j'ai l'impression que vos nerfs sont hyper tendus. Ils le sont, en effet. Oh, pour que vous en conveniez,
Watson, avez-vous déjà entendu parler du professeur Moriarty? Le professeur Moriarty? Non, jamais. Voilà bien le côté génial du personnage. Il règne sur Londres et personne n'a jamais entendu parler de lui. De vous à moi, les services que je viens de rendre à la famille royale de Scandinavie et à la République française m'ont rapporté largement de quoi vivre sans travailler jusqu'à la fin de mes jours. Je m'adonnerais aux recherches scientifiques et je serais le plus heureux des hommes. Mais il n'est pas question d'y songer tant qu'un individu tel que le professeur Moriarty sera en liberté. Qui est-ce ? Un garçon remarquablement cultivé, qui possède des dons extraordinaires en mathématiques. À 21 ans, il écrivait sur le binôme de Newton un ouvrage d'un tel retentissement qu'on lui confia aussitôt une chaire dans l'une de nos plus grandes universités. Il avait devant lui un avenir très brillant. Malheureusement, il est habité par le génie du mal, et au lieu de combattre ses mauvais instincts, il leur donne libre cours. Des bruits fâcheux n'ont pas tardé à se répandre sur son compte, et il a dû démissionner. Il est venu s'établir à Londres, comme professeur préparant aux écoles militaires. Mais en réalité, derrière cette façade, il a créé la plus puissante organisation criminelle d'Europe. C'est pas possible. Oui. Et depuis plusieurs années déjà, j'avais acquis la certitude que la plupart des grandes affaires de fausse monnaie, chantage, cambriolage de banque, assassinat de hautes personnalités, étaient l'œuvre de cette organisation. Je ne me trompais pas. Il y a quelques mois, j'ai enfin réussi à trouver la filière qui m'a mené, par une infinité de détours, jusqu'au professeur Moriarty. Aujourd'hui, Watson, je peux affirmer que cet homme est le Napoléon du crime. Oh, oh. Non, je n'exagère pas. Watson, cet être possède une sorte de génie. C'est lui qui conçoit les plans, mais jamais il n'agit par lui-même. Il reste immobile, comme une araignée au centre de sa toile. Et tenant dans ses pattes des milliers de fils, il en perçoit les moindres vibrations. L'exécutant peut être pris. L'argent est immédiatement versé pour la caution et la défense, mais personne ne soupçonnera que l'accusé a obéi à un pouvoir central qui, lui, ne sera jamais démasqué. Et c'est à une telle puissance que vous vous attaquez ? Oui. Vous avez bien voulu dire parfois, en excédant quelque peu la vérité, que j'étais un homme d'une valeur exceptionnelle. Eh bien, au bout de 3 mois, j'ai dû convenir que j'avais enfin rencontré un adversaire digne de moi. La partie a été dure, mais grâce à Dieu, nous arrivons au dernier acte. Moriarty a fait un faux pas, ou un tout petit faux pas, dont j'ai su profiter. Dans 3 jours, toute la bande tombera entre les mains de la police. Alors nous assisterons au plus grand procès du siècle, où seront dévoilés plus de 40 crimes mystérieux, demeurés jusqu'alors inexpliqués. Mais si nous bougeons trop tôt, ces canailles nous glisseront entre les doigts. Et le professeur ne zoute de rien ? Oui, il sait tout. Plusieurs fois, il a tenté de s'échapper du filet que j'avais jeté sur lui, mais à chaque tentative, j'ai resserré mon emprise. Et il ne me fallait plus que 3 jours de patience pour arriver au but, quand ce matin, la porte de ma chambre s'ouvre, un inconnu est devant moi. Bonjour, monsieur Holmes. Qui êtes-vous ? Professeur Moriarty. Vous connaissez mes nerfs, Watson, ils sont solides. Mais je n'ai pu m'empêcher de sursauter à la vue de cet homme à qui je pensais depuis quelques mois avec tant d'intensité. Il est grand, mince, pâle, de visage ascétique, ses épaules sont voûtées, et il penche en avant sa tête qui oscille de droite et de gauche comme celle d'un serpent. J'avais glissé négligemment mon revolver dans la poche de ma robe de chambre, mais il m'avait vu. Décidément, monsieur Holmes, votre développement frontal est moins accentué que je ne le pensais. Vous ne savez donc pas qu'il est dangereux de manipuler des armes à feu ? En effet, cela peut être dangereux pour vous. Allons donc. Vous n'iriez pas compromettre en me tuant le remarquable travail que vous avez fourni depuis bientôt 4 mois. Quoi ? C'est lundi seulement, monsieur Holmes, dans 3 jours, que selon vos plans, mes amis et moi, nous devons être cueillis par ces messieurs de Scotland Yard. Si vous me tuez tout de suite, les autres vous échappent. Je sais qu'aujourd'hui, je n'ai rien à craindre de vous. Que voulez-vous ?
Permettez que je consulte mon agenda. Voyons, le 4 janvier dernier, je vous ai trouvé pour la première fois en travers de ma route. Le 23, vous m'avez gêné. Vers la mi-février, votre présence occulte m'a sérieusement agacé. Le 26 mars, vous avez fait échouer une affaire que j'avais pourtant préparée avec beaucoup de soin. Et actuellement, fin avril donc, vous avez la prétention de menacer ma propre liberté. Je viens vous dire qu'il y a des limites à tout. Que suggérez-vous ? Abandonnez, monsieur Holmes. C'est un bon conseil que je vous donne. J'abandonnerai lundi à minuit, pas avant. Ça a été pour moi une très grande joie intellectuelle, monsieur Holmes, de voir avec quelle intelligence, quelle subtilité vous aviez disposé vos pièges. Et je vous le dis très sincèrement, je serais navré d'avoir à prendre contre vous une mesure extrême. Le danger fait partie de mon métier. Il ne s'agit pas de danger, Holmes, mais d'une solution définitive. Vraiment ? Vous espérez me vaincre ? Eh bien, moi, je vous le dis, vous ne me vaincrez jamais. Sans au revoir, monsieur Holmes. J'avoue que cette visite m'a été assez déplaisante. Il est bien décidé à voir ma peau. Il n'a pas tardé à me le prouver. Comment cela ? Vers midi, en traversant Oxford Street, un attelage de deux chevaux emballés a foncé sur moi. J'ai sauté sur le trottoir et je n'ai été sauvé que d'une fraction de seconde. Le temps de reprendre mes esprits, la voiture était loin. Un peu plus tard, en descendant vers Street, une énorme pierre est tombée d'une maison et s'est écrasée à mes pieds. Bien entendu, on n'a pas trouvé le coupable. J'ai appelé un fiacre et je suis allé passer le reste de la journée chez mon frère. Et tout à l'heure, en venant chez vous, j'ai été attaqué par un passant armé d'un casse-tête. Je l'ai mis en carte, il est maintenant sous les verrous. Je puis vous assurer qu'aucun lien ne pourra être établi entre le matraqueur sur les dents de qui je me suis abîmé la main et le professeur de mathématiques qui, au même moment, résolvait sur un tableau noir des équations compliquées à 15 kilomètres de là. Oui, je ne m'étonne plus que vous m'ayez demandé de fermer mes volets. Et de quitter cette maison en sautant le mur. Voulez-vous passer la nuit ici ? Non, merci. Non, je réussirai les semaines, ne vous inquiétez pas. Mon plan est réglé de telle façon que l'arrestation de la bande s'effectuera lundi sans que ma présence soit nécessaire. D'ici là, je préfère disparaître. Voulez-vous m'accompagner sur le continent ? D'accord. Je demanderai au docteur Greenwood de me remplacer. Je trouve encore bien là votre amitié. Maintenant, voici mes instructions. Je vais vous demander de vous y conformer à la lettre, car vous êtes désormais engagé avec moi dans cette lutte contre le plus puissant syndicat criminel d'Europe. Je suis très heureux de refaire équipe avec vous. Merci. Alors, écoutez-moi bien. Faites porter cette nuit vos bagages à la gare de Victoria par un commissionnaire de confiance. Demain matin, vous prendrez un fiacre, mais surtout ni le premier ni le second qui se présenteront. Prenez le troisième et faites-vous conduire au bout du Strand. Préparez votre monnaie et au moment où le fiacre s'arrêtera, foncez par les arcades et arrangez-vous pour arriver de l'autre côté à 9h15. Là, vous attendra une petite charrette conduite par un cocher dont la cape noire sera fermée au cou par un galon rouge. Il vous emmènera à Victoria juste à temps pour prendre l'express de New Haven. Et où vous retrouverai-je ? En tête du train, dans le second compartiment de première classe qui vous sera réservé. Entendu. Là-dessus, bonsoir Watson et merci. Ce fut en vain que je demandai à Sherlock Holmes de passer la nuit chez moi. Je compris très bien que, se sachant poursuivi, il voulait m'éviter la moindre source d'ennui. Le lendemain matin, je fis scrupuleusement ce qu'il m'avait recommandé, et tout se passa au mieux. Je n'eus aucune difficulté pour trouver notre compartiment réservé, mais je commençais à être pris d'une sérieuse inquiétude quand, 5 minutes avant le départ du train, je constatai que Sherlock Holmes n'était pas encore là. Je descendis sur le quai, j'aidais de mon mieux un vieux prêtre italien qui essayait vainement de se faire comprendre par son porteur. Puis, après avoir parcouru le quai dans toute sa longueur, je revins à mon compartiment. Et là, je trouvais tout bonnement installé l'ecclésiastique italien. Excusez-moi, monsieur l'abbé, mais ce compartiment est réservé. Ah, capito, capito. Capito. Alors, ayez l'amabilité d'aller ailleurs. Ah, io sono stanco. Voglio restare 2 minuti, prego. Io sono vecchio. Ah, ça, je m'excuse, mais je ne comprends pas.
Décidément, il faut que je vous parle anglais, mon pauvre Watson. Holmes, permettez-moi d'arracher cette vénérable barbe blanche qui tire affreusement la peau. Venez, regardez sur le quai. Voilà Moriarty. Le train avait démarré et j'aperçus un homme de haute taille qui arrivait en courant. Mais il était trop tard. La vitesse s'accrut et bientôt la gare s'estompa derrière nous. Vous voyez, Watson, que malgré toutes nos précautions, il s'en est fallu de peu. Maintenant, je peux enlever ce chapeau et cette soutane. Voudriez-vous, s'il vous plaît, me passer ma valise? Ouais. Voilà, je garde tout cela précieusement. On ne sait jamais. Watson, vous avez lu le journal ce matin? Non. Vous n'avez donc rien lu sur Baker Street? Baker Street? Notre vieil appartement a failli brûler cette nuit. Non, c'est épouvantable. Heureusement, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts, et bien entendu, ce n'est pas là que j'ai couché. Ah, oh, tant mieux. Et pour vous, tout s'est bien passé? J'ai fait exactement ce que vous m'aviez indiqué. Vous avez trouvé la charrette? Oui, elle m'attendait. Vous avez reconnu le cocher? Non. C'était mon frère Mycroft. Je n'y aurais jamais pensé. Maintenant, il va falloir jouer serré avec Moriarty. Étant donné que ce train est un express et qu'un quart d'heure après son arrivée, le bateau s'en va, j'ai l'impression que nous l'avons semé définitivement. Mon pauvre Watson, je vois que vous ne l'avez pas compris quand je vous ai dit que cet homme était au même niveau que moi sur le plan de l'intelligence. Si c'était moi le chasseur, croyez-vous que je renoncerais au gibier dès le premier obstacle? Oh, non! Alors pourquoi le juger moins favorablement? Que va-t-il faire? Exactement ce que je ferais. Et que feriez-vous? Je louerais un train spécial. Il est trop tard. Pas du tout. Nous avons un arrêt à Canterbury, et comme vous l'avez dit vous-même, il y a un quart d'heure de battement entre l'arrivée du train et le départ du bateau. Il a le temps de nous rattraper. Oh, on dirait que nous sommes des criminels. Enfin, faisons-le arrêter. Et réduisons à zéro 4 mois de travail. Ah non. Je vous répète que lundi, nous les aurons tous. Mais il faut attendre lundi. Alors? Nous descendrons à Canterbury. Et puis? Nous prendrons une voiture pour Folkestone. Et de là, nous nous embarquerons à destination de Boulogne. Nos bagages enregistrés continueront leur route sur Paris et attendront la consigne de la gare Saint-Lazare. Moriarty ne manquera pas certainement de les repérer et de nous guetter. Il attendra peut-être 2 jours et rentrera lundi à Londres alors que nous aurons débarqué à Paris par la gare du Nord. Et nos bagages? Il sera plus prudent d'en acheter d'autres. J'avais trop voyagé dans ma vie pour regretter la perte de mes bagages. Mais ce qui m'exaspérait, c'était de fuir devant un bandit. Nous descendîmes donc à Canterbury. J'étais encore à regarder, non sans mélancolie, le train qui s'éloignait en emportant ma garde-robe, quand Holmes me tira par la main. Regardez là-bas, Watson. Des bois du Kent s'élevaient au loin un panache de fumée. Et une minute plus tard apparaissait sur le grand virage qui précède la gare un convoi formé d'une locomotive et d'une seule voiture. Nous eûmes juste le temps de nous dissimuler derrière une pile de mallets et de valises quand il passa devant nous. Et voilà. L'intelligence de Moriarty a tout de même des limites. Il n'a pas prévu ma parade. S'il vous avait rattrapé, qu'est-ce qu'il nous aurait fait? Il aurait essayé de me tuer, tout simplement. De Paris, nous gagnâmes Strasbourg. Et le lundi matin, Sherlock Holmes télégraphia notre adresse à la police de Londres, afin d'avoir des nouvelles sur l'arrestation de la bande. Nous eûmes la réponse le soir, en rentrant à l'hôtel. Les imbéciles! Les idiots! Les incapables! Qu'est-ce qu'il y a? Mais ils l'ont laissé s'échapper! Qui ça? Moriarty? Oui! Oh. Toute la bande est sous les verrous, sauf lui. Il a filé comme un lapin. Naturellement! Du moment que je quittais l'Angleterre, il n'y avait plus personne capable de rivaliser avec lui. Et pourtant, je leur avais mis toutes les cartes entre les mains. Je crois que vous feriez mieux de rentrer, Watson. Pourquoi? Parce que je suis désormais pour vous un compagnon dangereux. Moriarty ne peut plus rien faire à Londres et il n'y reviendra pas si tôt. J'ai l'impression qu'il va consacrer toute son énergie et tout son temps à se venger. Il m'a suffisamment donné à entendre cela et il n'est pas homme à changer d'avis. Très amicalement, Watson, je vous conseille d'aller retrouver vos malades. Et je vous laisserai seul devant le danger. Oh non, non, pas question. Pourtant, je le priais de ne pas insister. Et nous décidâmes de partir pour Genève.
Cette semaine-là, nous remontâmes la vallée du Rhône, puis, bifurquant à Lenque, nous franchîmes le col de la Gemmi, encore enneigé, pour redescendre sur Meiringen, par Interlaken. Ce fut une merveilleuse randonnée, avec au-dessous de nous tous les verts du printemps, dominés par les blancheurs de l'hiver. Mais pas un instant, Sherlock Holmes n'oublia son ennemi. Rien qu'à le voir scruter les visages, je devinais sa conviction de ne pouvoir échapper au danger qu'il menaçait. Un jour, pendant notre passage de la Gemmi, nous longions avec un guide et à dos de mulet le mélancolique Daubensee. Quel magnifique paysage, n'est-ce pas, Watson? Ah, oui. Comment peut-on vivre dans la crasse de Londres quand il existe une nature pareille? Hâtons-nous, messieurs, ce sentier est dangereux. En quoi? Nous sommes au printemps et parfois les rochers de la montagne se détachent et roulent jusque dans le lac. C'est fréquent? Ça arrive. Attention! Eh bien, nous l'avons échappé belle. Holmes, où allez-vous? Mais pourquoi grimpe-t-il là-haut? Ben regardez-le, on dirait qu'il cherche quelqu'un. Mais dans cette montagne, il n'y a jamais personne. Sait-on jamais? Il est bizarre, votre monsieur. Sherlock Holmes redescendit et me regarda en souriant avec l'air d'un homme qui vient d'assister à l'attentat qu'il avait prévu. Nous reprîmes notre route. Il semblait mélancolique. Après tout, Watson, un peu plus tôt, un peu plus tard. En tout cas, je n'aurais pas vécu inutilement. Si ma carrière prenait fin aujourd'hui, je pourrais en dresser le bilan avec assez bonne conscience. J'ai purifié l'air de Londres et dans plus de 1000 affaires, je crois avoir utilisé pour le bien les dons que j'ai reçus de Dieu. Je pourrais m'en aller en paix. Vous ne pensez pas? Je le persuadais que ses idées moroses s'accordaient mal avec la gaieté du paysage et nous arrivâmes le 3 mai au petit village de Meiringen, où la patronne de l'hôtel des Anglais nous reçut le mieux du monde. Comment se fait-il, madame, que vous parliez si bien l'anglais? J'étais pendant 3 ans femme de chambre à Londres. Où ça? Au Grosvenor Hotel. Ah, vous m'en direz tant. Et ici, vous avez de la clientèle anglaise? Très souvent, monsieur. C'est ce qui me donne l'occasion de parler de votre pays, dont j'ai gardé un excellent souvenir. Ces messieurs comptent rester pendant plusieurs jours. Le pays en vaut-il la peine? Pour ça, oui. Par exemple, demain, je vous conseillerais de traverser les montagnes et de passer la nuit au hameau de Rosenlani, en faisant un crochet pour admirer les chutes de Reichenbach qui se trouvent à mi-côte. Nous suivîmes son conseil. Elle nous prépara des musettes contenant de quoi nourrir une escouade et nous nous mîmes en route. En fait, l'endroit est magnifique. Le torrent, gonflé par la fonte des neiges, se précipite dans un gouffre d'où l'écume rejaillit en tourbillonnant comme la fumée d'une maison en feu. L'abîme dans lequel se rue le torrent est une espèce de brèche immense, bordée de rocs luisants, noirs comme du charbon, et qui va en s'étrécissant pour aboutir à une cavité insondable où l'eau bouillonne contre les parois effritées. Pour que le touriste puisse admirer le spectacle, un sentier a été aménagé. Il contourne la moitié du gouffre et se termine juste au bord. Après quoi, on n'a plus qu'à revenir sur ses pas. Nous allions l'emprunter quand nous vîmes un garçon du pays courir après nous. Messieurs, messieurs. Qu'y a-t-il? Le docteur Watson, s'il vous plaît. C'est moi. Je suis garçon d'écurie à l'hôtel des Anglais et ma maîtresse m'a demandé de vous porter tout de suite ce papier. Donnez. Docteur, je suis désolé de vous déranger dans votre promenade, mais une dame anglaise vient d'arriver à mon hôtel. Elle est atteinte de tuberculose au dernier degré, elle a passé l'hiver à Davos et tente de regagner Londres pour y mourir. Mais je la crois à toute extrémité et ce serait pour elle une grande consolation si elle pouvait voir un docteur anglais. Je lui ai parlé de vous, pourriez-vous venir de toute urgence? Ce serait une bonne action, car je crains que la pauvre femme ne passe pas la journée. Il faut y aller, Watson. Ça m'ennuie de vous abandonner. Avant tout, vous êtes médecin. Retournez à Meiringen. Après avoir admiré ces gorges, je marcherai tranquillement vers Rosenlani et vous m'y rejoindrez dans la soirée. D'accord. À ce soir.
Je suivis le garçon d'écurie. Et en me retournant, j'aperçus Sherlock Holmes qui contemplait l'eau tourbillonnante. Et là, j'eus le pressentiment que c'était la dernière fois que je le voyais en ce monde. Il nous fallut un peu plus d'une heure pour regagner Meringen. Voilà le village. Excusez-moi, docteur, de ne pas vous accompagner à l'hôtel, mais j'ai encore plusieurs courses à faire. Allez, je connais le chemin. Arrivé à l'hôtel, je demandai à voir la patronne. Madame, le docteur Watson voudrait vous parler. Oui, voilà. Tiens, docteur. Comment va-t-elle? Qui ça? L'anglaise. Quelle anglaise? Vous m'avez envoyé chercher pour soigner une voyageuse gravement malade. Moi? Jamais de la vie. Comment, ce n'est pas vous qui m'avez écrit cette lettre? Non. Pourtant, c'est votre garçon d'écurie qui me l'a apporté. Je n'ai pas de garçon d'écurie. J'ai peur de comprendre. Nous avons été joués. Mais où allez-vous? Docteur! Docteur! Je m'étais déjà précipité dans la rue du village, vers le sentier que je venais de descendre. Je croisais un gendarme et lui racontai toute l'affaire, convaincu que Sherlock Holmes avait été victime d'une agression. Il m'accompagna et, en dépit de nos efforts, il nous fallut 2 heures avant d'arriver au sud de Reichenbach. Quand vous avez quitté votre ami, où était-il exactement? Pardon. Oui. Là, devant ce rocher. Tenez, son adresse qui est encore. Holmes! 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 Où est-il bien pu aller? Certainement pas à Rosenlani. Il n'aura pas laissé son alpenstock. Non. Pour moi, il est resté sur ce sentier entre cette muraille rocheuse et ce précipice jusqu'au moment où il a été surpris par son ennemi. Ouais. Mais il est peut-être allé jusqu'au bout du sentier. Oui, vous avez raison. Tenez, regardez sur le sol mouillé. Il y a des empreintes. Des empreintes de 2 personnes. Ils sont allés jusque là-bas. Oui. Mais ils ne sont pas revenus. Alors, en effet, il n'y a pas d'empreinte dans l'autre sens. Mais alors, ils sont tombés tous les deux dans le gouffre. Je me mis à plat ventre pour regarder le fond de l'abîme. Le jour avait baissé et je ne vis que le miroitement de l'eau qui se brisait contre les rochers. De se faire d'illusions. Le destin voulut cependant que me parvint une dernière pensée de mon pauvre ami Sherlock Holmes. Mon regard fut attiré par un objet qui brillait sur le rocher contre lequel était appuyé l'alpenstock. Qu'est-ce que c'est? Les cuirs cigarettes en argent de mon ami. Mais regardez, il y a un papier dessous. C'était 3 pages arrachées de son carnet. Il m'était adressé. Il était bien dans son caractère que l'écriture eût cette fermeté. Dans son bureau, il n'aurait pas tracé les mots avec plus de sang-froid. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Mon cher Watson, je dois à la courtoisie de Monsieur Moriarty de vous écrire ces quelques lignes. Il consent à attendre mon bon plaisir pour que nous procédions au règlement final des questions pendantes entre nous. Il m'a expliqué comment il a pu échapper à la police anglaise et de quelle façon il s'est tenu informé de tous nos déplacements. Ses méthodes confirment la très haute opinion que j'ai toujours eue de lui. Dans quelques instants, je vais délivrer la société de ce dangereux personnage, bien que je craigne que ce ne soit au prix d'un sacrifice qui attristera peut-être mes amis et vous plus spécialement, mon cher Watson. Je savais que la lettre de Meringen était un piège. Je ne vous ai pas retenu parce que j'étais sûr de ce qui allait se passer. Prévenez l'inspecteur Patterson que les papiers dont il a besoin pour faire condamner la bande sont dans le dossier M. Vous trouverez une enveloppe bleue sur laquelle est écrit Moriarty. Avant de quitter l'Angleterre, j'avais disposé de tous mes biens en faveur de mon frère Mycroft. Je vous prie de transmettre mon souvenir à Madame Watson et de me croire, mon cher ami, très sincèrement votre. Regardez ces traces de piétinement. Les ronces et les fougères du bord sont arrachées. Pour moi,
Ils se sont accrochés l'un à l'autre et ils ont roulé ensemble dans l'abîme. Un examen d'expert confirma la supposition du gendarme et il fut impossible de retrouver les corps. Bien entendu, le faux garçon d'écurie ne fut jamais identifié. Quant à la bande que dirigeait Moriarty, elle fut condamnée grâce aux preuves fournies par Sherlock Holmes. Ce fut la dernière manifestation de mon pauvre ami, que je considérerai toujours comme le meilleur et le plus sage de tous les hommes que j'ai connus. Dans la série Les enquêtes de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre La mort de Sherlock Holmes, d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son Jean Pantaloni, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abderisker. Avec Maurice Tenac, Sherlock Holmes, Pierre Détaille, Dr. Watson, et Yves Vincent dans le rôle de Moriarty, René Barrel, la patronne de l'Hôtel Suisse,